Le métier d'œnologue, c'est l'élaboration des cuvées dans un style de la maison, en particulier la maison Ruinart. Pour élaborer nos cuvées, on va d'abord transformer des raisins en vin. Et ça, ce sont des transformations qui font appel à énormément de sciences. Déjà, de la physiologie végétale à la vigne pour comprendre le cycle de la vigne. Ensuite, on va avoir énormément de microbiologie. Et puis ici, dans la salle de dégustation, on va avoir cette part de créativité qui est immense dans mon métier. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est vraiment cette combinaison entre un côté qui est très carré, très scientifique, et puis d'un autre côté, à un moment donné, on va être dans cette salle de dégustation avec du ressenti, avec de l'émotion devant notre verre. Alors, Don Ruinart, c'est une cuvée qui est très spéciale. Déjà, ça va être une cuvée qu'on ne va pas faire tous les ans. Un assemblage vraiment particulier, un assemblage rare qui mettrait plus de temps à délivrer son message qu'une cuvée non millésimée. Ce qui est génial aussi dans le Don Ruinart, c'est qu'il n'y a pas de recette. Dans mon métier, ce qui m'éblouit toujours, c'est que plus j'avance, plus j'ai l'impression d'apprendre. Il y a tellement de données qui changent tous les ans. Et c'est ce que la nature nous donne. C'est un peu comme si on avait un genou à terre, finalement. Ça nous montre aussi qu'il faut rester humble, patient, d'apprendre, d'écouter. Ça peut être des beaux conseils. Je m'appelle Aziz Krim. Je suis vigneron en Champagne dans la maison Ruinart. Le travail de vigneron, c'est de préserver la vigne, de la protéger contre la maladie, de la travailler le mieux possible pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. La vigne, c'est la base. Tout part d'ici. Je prépare la vigne. J'essaie d'emmener vraiment les meilleurs raisins au pressoir pour qu'on puisse faire le meilleur vin aussi. Il faut savoir tailler la vigne, c'est très complexe. Il faut aimer la nature, il faut aimer travailler dehors, il faut être passionné. C'est un métier noble parce qu'on produit un produit d'exception. Pour moi, c'est une fierté, c'est une réussite de pouvoir participer justement à ce grand vin qui est dans Ruinart. Et quand quelqu'un ouvre une bouteille, qu'il sache qu'il y a un vigneron derrière tout ça. C'est une histoire de passion et de terroir. Et ça fait 30 ans que je suis dans les vignes, mais chaque année est différente. Et c'est ça qui me plaît. C'est un deuxième chez moi, tout simplement. Je ne me lasse jamais de ces métiers. Mon métier, il consiste à partager l'histoire de la maison, ses savoir-faire, ses valeurs, ses engagements à des visiteurs du monde entier qui viennent profiter de nos expériences ici à la maison à Reims, sous forme de découverte de nos crayères, de visites de caves, de dégustations, d'expériences gastronomiques parfois. Et ça leur donne une vision totalement différente de ce qu'est le champagne de manière générale et de ce qu'est la maison Ruinart. Mon parcours, il est assez atypique. Ce qu'on demande dans ce métier, c'est de parler plusieurs langues. La plupart de mes collègues ont fait des cursus en langue. Et ensuite, ils vont se former sur les choses un petit peu plus techniques. Moi, j'ai le parcours inverse. J'avais ce background viticulture, vinification. Ça montre aussi que la porte est ouverte à tout le monde. On a la chance d'avoir une maison à taille humaine. Et donc, nos œnologues sont très disponibles pour qu'eux partagent leur savoir-faire, leur compréhension de ces cuvées, pour pouvoir en parler ensuite de la manière la plus précise possible à nos visiteurs. Ce qui me fait vibrer dans le métier, c'est les étoiles qu'on va réussir à mettre dans les yeux des gens. On va adapter nos discours à la nature de chaque groupe. Chaque visite est différente, chaque expérience est différente. La plus grande récompense qu'on peut avoir dans le métier, c'est la sensation d'avoir fait passer un moment exceptionnel à quelqu'un.